Les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Voilà, il y a encore affairage, il y a affairage. Venez, venez on dit Soro a tué Ibe. Soro était ministre de la Défense, donc c'est lui qui a tué Ibe. Donc, nous, on sait que dans un pays, il y a le chef des armées, le chef suprême des armées, il y a le ministre de la Défense, il y a le chef d'état-major, et puis après, il y a les rougarougas en bas. Donc, on dit Soro, comme il était ministre de la Défense, c'est lui qui a tué Ibe. Donc, venez écouter. Donc, il y a une plainte qui a été déposée ici à Paris contre Soro Djom parce qu'il a tué Ibe. Mais les faits sont têtus. Quand une personne marche, il laisse les traces. Les faits sont têtus. Très têtus. Têtus même. On va écouter un peu ce que les gens disent et puis on va terminer en conclusion. La Côte d'Ivoire avec tout d'abord cette plainte en France contre Guillaume Soro pour crime de guerre et assassinat. Et Guillaume Soro, l'accusant d'avoir commandité en 2004 et 2011 la mort de cinq membres ou ex-membres de la rébellion, dont Ibrahim Koulibaly, surnommé IB, qui aurait été, selon la plainte, victime d'une traque et d'un guet-apens minutieusement préparé, énonce Mediapart, lequel journal en ligne pointe dans ladite plainte le caractère prémédité du meurtre d'IB, dont il ne ferait, selon ce document cité par Mediapart, guère de doute qu'il puisse être imputé aux agents de Guillaume Soro. Des accusations que la défense de Guillaume Soro conteste. Dans Mediapart, l'un de ses avocats s'insurge. Selon William Bourdon, cette plainte transmise est une riposte pathétique de l'État ivoirien qui ne sait plus quoi faire, qui perd son sang-froid, dit Maître Bourdon à Mediapart. Point de vue partagé à Abidjan. RFI, les bouches dans tout. Quand il y a un petit son sur moi là, et bah, ils sont dessus en même temps. Mais c'est bien, nous, ça nous enseigne, ça nous donne des éléments aussi, et puis ça nous apprend des choses. Donc, mon vieux, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, d'abord, joyeux anniversaire. Et puis, en même temps, il faut nous dire un peu ce qui se passe, parce qu'on dit, t'as tué Ibe. Parce que depuis la légende, il parle de ça jusqu'à. Il parle de ça. Aujourd'hui, il faut nous dire un peu ce comment a fait Ibe là, sur comment. Dramane Ouattara, président de la République, a reçu plusieurs officiers des FRC, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il s'agit surtout des commandants de groupements tactiques et de certains corps des ex-FDS. C'est M. Soro Guillaume, Premier ministre et ministre de la Défense, qui s'est d'abord adressé au chef de l'État en soutien le cadre de la cérémonie. Face au massacre perpétré dans l'ouest du pays et surtout à Abidjan, où les femmes n'étaient plus épargnées par les escadrons de la mort, les mercenaires libériens et autres miliciens, face aussi aux inquiétudes des populations, il était devenu urgent pour vous de mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que vous m'avez demandé de monter une opération militaire qui viendrait libérer Abidjan. Aïe, je n'ai pas compris mon vieux. Il dit de parler de toi, mais tu dis vous. Ah, tu parles du président qui est là. Non, j'ai pas compris. On va repartir encore un peu en arrière. Juste un petit bout pour comprendre. Face au massacre perpétré dans l'ouest du pays, et surtout à Abidjan, où les femmes n'étaient plus épargnées par les escadrons de la mort, les mercenaires libériens et autres miliciens, face aussi aux inquiétudes des populations, il était devenu urgent pour vous de mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que vous m'avez demandé de monter une opération militaire qui viendrait libérer Abidjan. C'est ainsi que vous m'avez demandé. Oh, venez, venez, y a fait, y a fait. Massacre perpétré
perpétrés dans l'ouest du pays, et surtout à Abidjan, où les femmes n'étaient plus épargnées par les escadrons de la mort, les mercenaires libériens et autres miliciens. Face aussi aux inquiétudes des populations, il était devenu urgent pour vous de mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que vous m'avez demandé de monter une opération militaire qui viendrait libérer Abidjan. Preuve. Oh, Makoso, pardon. Faut quitter dans ça, là. Ça, là, c'est pas ma maille. C'est affaire de politique. À cause des présidences, les gens sont en train de chercher les délits partout. Donc, faut quitter dans ça. Nous, là, on est là pour éclairer un peu les gens, pour savoir un peu ce qui s'est passé. C'est pas ma maille. Donc, pardon. J'ai ton mouvement. Pardon, enterre madame là-bas. Faut quitter dans le mouvement, là, hein. Tu es en deuil. Nous, on te regarde. On n'a pas envie de parler. Faut quitter dans ça. Donc, pardon, hein. Makoso, pardon. Et le vieux père. Le vieux père Soro. Ce que tu as dit là, c'est ta preuve. Bon, comme Makoso demandait preuve, est-ce que tu as les preuves? Parce que le VP, le président, il était là. Et puis tu lui disais, vous nous avez donné, vous nous avez dit, donc, voilà, de préparer telle chose pour aller faire telle chose. Mais est-ce que tu as les preuves? Est-ce qu'il lui-même, il t'a dit ça? Est-ce qu'il lui-même, il a dit ça? Il y a quelle preuve qu'il a dit ça? Il y a quelle preuve? Parce qu'on dit, tu as tué IB. Nous, on veut savoir, c'est vrai ou c'est faux? Il y a quelle preuve? Il y a quelle preuve? Est-ce que lui-même, il a dit ça? Je vous instruis de demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas de foyer de belligérance qui puisse inquiéter la tranquillité des Ivoiriens. Message bien reçu par l'armée, elle entend appliquer les décisions du chef de l'État. Les instructions du président de la République sur ce point-là sont claires. Dans un premier temps, nous allons négocier. Mais s'ils ne veulent pas tempérer en ce moment, nous allons agir par la force. Je vous instruis de demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas de foyer de belligérance qui puisse inquiéter la tranquillité des Ivoiriens. Donc à faire là, ça devient quelque chose maintenant, hein? Ah, mon vieux. Le chef suprême des armées. Bah, en tout cas, c'est français, il a parlé. Hein? Moi, je ne peux pas dire, sinon vous allez dire, j'interprète. C'est français, il a parlé. Mais on continue, allons. Je vous instruis de demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas de foyer de belligérance qui puisse inquiéter la tranquillité des Ivoiriens. Message bien reçu par l'armée, elle entend appliquer les décisions du chef de l'État. Les instructions du président de la République sur ce point-là sont claires. Dans un premier temps, nous allons négocier. Mais s'ils ne veulent pas tempérer en ce moment, nous allons agir par la force.
Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Les institutions du président de la République, sur ces points-là, sont claires. Dans un premier temps, nous allons négocier. Mais s'ils ne veulent pas tempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Dans un premier temps, nous allons négocier. Mais s'ils ne veulent pas tempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Nous allons négocier. Mais s'ils ne veulent pas tempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Ah hein, allô? L'éducation a raté. Tu es même quel genre de gars? Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. En tout cas, famille, chacun écoutez, hein? Chacun est intelligent, chacun sait comment il va pencher. Oui, chacun sait comment il va pencher, chacun sait comment il va réfléchir, chacun sait qui a tué qui a donné quoi, qui a dit quoi à qui. Voilà, Chérif Ousmane, il dit, le nouveau président, c'est Soro Guillaume, c'est ce qu'il a dit, non? Mais il est mal compris. Le nouveau président, IB, c'est fini. Le nouveau président, c'est Soro Guillaume, c'est ce qu'il a dit. Écoutons. Vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Oui, c'est ça, vous avez compris, non? C'est ce qu'il a dit. IB, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est Soro Guillaume qui est président. C'est Soro Guillaume qui nous a dit de tuer IB. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est Soro Guillaume qui est président. Vous avez compris? Donc, c'est Soro Guillaume qui a tué IB. Mon vieux, c'est toi qui as tué IB. Voilà. Bon, en bac. Ambiance là. Ambak, j'espère que tout ce qui se passe à t'écoute, tout ce qu'il dit là, je t'interpelle chaque jour. C'est des conseils. Donc, j'espère que tu écoutes. Donc, fini avec la danse, on va avancer. Des questions qui pourraient orienter les regards des juges indubitablement vers le chef de l'État d'alors et chef suprême de l'armée, dont répondait le Premier ministre et ministre de la Défense. S'il jouit encore de l'immunité au pouvoir, dans un peu plus de 5 mois, fin octobre 2020, l'actuel tenant de l'exécutif ivoirien serait en fin de mandat et ne pourra plus bénéficier de ce parapluie. Ainsi, dans le cas où ce dossier inattendu traînerait en longueur, ceci pourrait l'entraîner devant la justice pour s'expliquer sur ses faits. Et RFI, pardon. Chut, c'est pas tout dit. J'ai pas tout dit. Les gens là, ils disent qu'on peut pas poursuivre Alassane Ouattara. C'est pas tout dit. Qui vous appelle ici? Moi, j'appelle un bac pour venir danser. Vous venez parler de ça. Pourquoi? Qu'ils vont poursuivre Alassane Ouattara dans 6 mois. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Qui vous appelle ici? Oh, un bac. Faut finir le truc là-bas.